On m'a passé le message comme quoi je devais voir le médecin. Alors, franchement, à Koh-Lanta, t'as pas envie forcément d'aller voir le médecin parce que tu sais que c'est celui qui peut arrêter ton aventure. Donc je me disais, non, mais j'ai pas besoin, moi. Pourquoi tu veux aller voir le médecin? C'est vrai que je l'ai dit, mais bon, après, je suis comme un amoureux de l'aventure et des challenges, donc je me serais quand même lancé. Mais c'est vrai que ça m'aurait peut-être plus fait réfléchir. C'était pas une situation évidente. T'as l'impression de prendre un peu la place de l'aventure des gens. J'imagine que certains avaient voulu postuler et aimaient l'émission depuis pas mal d'années. Une fois qu'ils sont sélectionnés et pris, ils veulent vivre leur expérience. Et d'un seul coup, tu mets quelques anciens avec des questions toujours autour des anciens. Alors est-ce que c'est pas les meilleurs? Alors est-ce qu'ils vont vous apprendre? Alors est-ce que ceci? Je suis arrivé avec les pincettes en leur disant voilà, c'est vrai que c'est votre aventure et tout. Moi, je viens me greffer là-dedans malgré moi, essayer de la vivre pleinement et voilà, mais c'est vrai que c'est pas évident pour eux, c'était pas évident pour nous. On m'a passé le message comme quoi je devais voir le médecin. Alors, franchement, à Koh-Lanta, t'as pas envie forcément d'aller voir le médecin parce que tu sais que c'est celui qui peut arrêter ton aventure. Donc je me disais, non, mais j'ai pas besoin, moi, pourquoi tu veux aller voir le médecin? Et finalement, si tu viens, et là, bon, bah, là, c'est Julien qui s'approche vers moi et qui me tend le téléphone. Donc je lis ce qui est écrit. C'était un mail de ma femme qui demandait à me parler, ou en tout cas à me passer l'information comme quoi elle était enceinte. Sans avoir pu lui répondre directement, j'ai évidemment dit à Julien qu'il pouvait lui répondre et la rassurer que tout était OK pour moi. Donc ça, c'était cool. Et c'est devenu un vrai copain. On a partagé beaucoup sur cette édition-là, chose qu'on n'avait pas forcément fait en 2012. Et on s'est découvert finalement plein de points communs. Et c'est un gros déconneur, il ne faut pas croire comme ça, mais sous ses airs de grand sage, là, il est toujours prêt à faire une bonne blague. Donc super. C'est vrai, record d'épreuves en 3 participations, 17. C'est bien parce que au moins, voilà, c'est marqué au fer rouge dans Koh-Lanta et celui qui dépassera, bah, je tirerai mon chapeau. Aparté qui peut revenir et qui est vraiment proche, les autres, ils sont quand même à quelques victoires derrière. Donc normalement, ce record va perdurer un petit peu, j'espère. Dans l'optique dans laquelle j'étais à ce moment-là dans le jeu, et dans le mérite et dans le présent en tant qu'héros et dans le dépassement de soi, j'aurais pris Nawal forcément, et en plus je savais que j'avais quand même mes chances face à elle, mais j'étais vraiment dans cette optique-là. Avec le recul, là je te dirais aujourd'hui, il aurait fallu que je choisisse Inès, évidemment on le sait tous, mais j'étais pas dans ce mood-là et ma femme m'aurait tué en rentrant à la maison si j'avais fait ça encore une deuxième fois. Ouais, première aventure en 2010, on part en trek vers la fin de l'aventure, c'est 30 et quelques-tièmes jours sur 40, donc ça fait quand même, ça pèse quand même déjà dans les organismes, et là on n'a vraiment plus rien sur le camp, on n'a plus de riz, je crois, il n'y a plus de feu, vraiment c'est assez difficile, et là je pars en trek à la recherche de nourriture, on trouve 6 noix de coco et 14 bananes, avec mon compère d'aventure à ce moment-là qui était coulé. Donc voilà, deux esprits faibles au même moment font qu'aucun des deux n'est capable de prendre une bonne décision, et on mange toutes les bananes. Sachant que voilà, on ramenait pas non plus rien, on avait 6 noix de coco qu'on pensait déjà pleines et nourrissantes. Et c'est vrai qu'à l'ouverture de noix de coco, on a regretté amèrement notre geste. Mais comme j'ai dit, après, avec le recul, les images que j'ai pu voir et tout ce que j'ai pu entendre, au final, ce n'était peut-être que justice que je les mange tellement j'en avais pris durant cette émission. J'ai l'impression que cette aventure, je l'ai faite il y a des années en fait. J'étais complètement déconnecté et j'ai gardé secret, oui, hormis ma femme vraiment, voilà, qui était au courant un peu. Je voulais la prévenir parce que c'est vrai qu'en plus, quand tu vois la ferveur et des gens grandir au fur et à mesure des épisodes, je m'étais dit, ouais, à un moment donné, il y aura une déception forcément. Ben, je la connais, la finalité, moi. Donc, ce qui était le plus dur, c'était ça en fait. C'était de voir l'espoir des gens grandir et puis savoir qu'au final, je n'allais pas leur rendre. Mais bon, après, ça, c'est pas quelque chose que tu contrôles et que tu peux changer. Donc, il y a plusieurs types de chauffeurs, t'as les chauffeurs de direction, t'as les chauffeurs de maître, t'as les chauffeurs de taxi, les chauffeurs VTC, t'as toutes sortes de chauffeurs. Moi je suis chauffeur de maître, ça veut dire que c'est un terme qu'on employait à l'époque pour signifier qu'on appartenait à un maître, entre guillemets, celui qui t'emploie. C'est juste pour dire que je suis chauffeur d'une personne privée, voilà, que je conduis que lui, que sa famille. J'ai découvert, voilà, c'est vrai, bah, pendant sa période, David Ginola, George Weah. Après, on a eu
Voilà, on a eu des hauts et des bas, mais les périodes comme on avait fait des beaux recrutements avec Anelka, toute l'époque Canal+, c'était cool. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, après avoir mangé notre pain noir pendant pas mal d'années, le fait d'être acheté et d'avoir un pouvoir financier fait qu'aujourd'hui, on a une équipe qui est magnifique, avec des joueurs superbes qui viennent de partout, ce qui, je pense, est une plus-value, nous, dans notre championnat, contrairement à certains. Parce que, voilà, on a beau dire, oui, c'est facile, on écrase tout, le PSG, il gagne tout, c'est facile, c'est facile. C'est jamais facile de gagner tout le temps, parce que, tu vois, moi, sur Koh-Lanta, je gagnais beaucoup à la fin. Et ben, peut-être que de trop gagner, je me suis déconcentré, et la personne en face, elle avait encore plus envie. Donc, c'est la même chose dans le football. Et aujourd'hui, je suis content de pouvoir suivre cette équipe et ces beaux joueurs.